Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Ice Cream. C'est un jeu d'horreur sur téléphone qui a été très bien noté. Donc, je devais faire évidemment une vidéo dessus. J'espère que ça va vous plaire. On va directement mettre jouer et mettre le mode de difficulté. On va mettre le mode normal parce que le mode difficile, c'est vraiment, vraiment dur. Donc, on va mettre le tutoriel. Comme ça, vous verrez toutes les démarches qu'il faut faire. Et on va directement mettre jouer. Ok les gars, du coup on arrive sur le jeu et regarde autour de toi en glissant ton doigt sur l'écran. Ok, bon c'est un peu comme sur Ice, j'ai l'impression. Regarde maintenant la fenêtre et appuie sur le bouton d'interaction. Ok, il y a un enfant qui arrive vers le glacier. Il a une tête chum quand même, pas se le cacher. Moi si un mec ressemble à ça, jamais je vais lui acheter de glace. On va le choper, c'est sûr. Moi la tête qu'il a. J'espère que le son est pas trop fort, je vais regarder ça directement. Bon, de toute façon, la cinématique est passée, je vais pouvoir modifier le son. Non, normalement, ça doit être bon. Le volume de la musique, c'est tout bon. Alors, ce garçon a besoin de ton aide, trouve une corde dans les tiroirs pour descendre dans la rue. Ok. Je vais monter le son quand même. Voilà, tac. Tac. Ok, là, il y a les tiroirs ici. Il y a Kechi ici. Est-ce que la corde est là? Non plus. Bon, il n'y a pas de tiroir, du coup, ici. Est-ce qu'elle est là? Non. Est-ce qu'elle est là? Bien sûr que non. Comme par hasard, elle est dans le dernier. Voilà. Ok. Allez. Fenêtre, interagir. Interagir. Il faut savoir que ce jeu est vraiment bien, mais il a des très gros problèmes de son. Regardez la différence de son qu'il y a entre bah, où on était dans la maison et là, en fait, tout simplement. Fais attention, tu ne dois pas être vu ou tu vas avoir des ennuis. Trouve un endroit où te cacher. Et j'ai beau modifier le son, je suis désolé pour vos oreilles, les gars. Donc là, on va se cacher ici. Petite I'm cinématique. going to kill some kids today. I'm looking for the chump plubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Ouais, donc en fait le mec a fait tomber un carnet. Mais putain, mais. Mais le son correctement, bref. Voilà, en fait, si vous voulez, ce jeu a quand même des gros problèmes de son. Donc, on va attraper le carnet. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu comme Hello Neighbor, si vous voulez. Faut faire attention parce que voilà, bah, regardez, il est là. Là, du coup, il me course. En fait, si vous voulez, voilà, je dois monter dans la camionnette et accrocher ça dans le mur. Allez, frérot, faut que tu dégages. Du coup, je vais ouvrir les portes de la camionnette, voilà. Je vais mettre ça sur le mur. Impeccable. Du coup, la carte, et là, je peux choisir où je vais aller. On va directement aller, je pense, dans la cafétéria. En fait, si vous voulez. Ouais, franchement, je suis désolé, les gars, pour vos oreilles. Je suis désolé pour vos oreilles, mais le jeu est vraiment éclaté au niveau du son. Donc, en fait, si vous voulez, le but, c'est de récupérer des objets et de faire les liens entre les différents lieux. Donc, qu'on a, du coup, ici, garage, aire de jeu, quartier et parking. Et en fait, c'est un peu comme des énigmes, hein, si vous voulez. Donc, cafétéria. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? On n'a rien. Ici, c'est fermé. Oh non, il va me voir. Je suis baisé en fait, là, je suis mort. Je suis mort là. Heureusement qu'il court pas vite parce que du coup, je pourrais le semer comme ça. Voilà, nickel. Hop. Et on va rentrer dans la petite porte là. Voilà. Ok, donc là, on est dans la cafétéria. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on trouve? Ok, là il n'y a rien, il n'y a rien en surbrillance. On va rentrer directement ici. Ça c'est quoi? Tenue de travail. Le prochain service sera Brad. Ok, ça il faut qu'on retienne les gars. Prochain service Brad. Ici on peut se cacher du coup. L'accès est bloqué et j'ai besoin d'une carte magnétique. Ok. Oh non. Bon, je vais me cacher ici le temps que. Le temps qu'ils partent. Ok, on va sortir les gars. Donc les gars, Brad, faut qu'on retienne Brad. Putain, il est juste là. Ok, est-ce qu'on peut sortir de par là? Non? Oh putain, c'est la merde. C'est-à-dire que je peux juste sortir à droite là. Non! Putain, je voulais lui fermer la porte dessus. Oh putain. Bon, j'attends qu'il vienne ici.
Voilà, et moi je vais pouvoir aller là-bas tranquillement. Bon, ok. Bon, je pense qu'il n'y a plus rien à récupérer parce qu'on a fait le tour là. Non, on n'est pas allé voir là-bas. De toute façon, tout le reste était bloqué. On peut se cacher ici, ok. Là, on peut casser la fenêtre. Oh là là, oh, je suis mort. Oh, c'est galère, hein. C'est galère parce qu'en fait, c'est très précis, hein, les mouvements. Non, mais putain, mais en fait, je veux juste aller avec la camionnette, hein. Ok, allez, on ressort. Rentre, s'il te plaît, frérot, rentre. Ok. Non, il rentre pas. Il va vers la camionnette. Oh non, c'est trop. Je peux pas lui jeter un truc pour le faire venir, genre. Parce que là, du coup, il me bloque mon truc, hein. On va re-rentrer, on va essayer de le. Ok, allez, camionnette. Alors, désolé pour vos oreilles, les gars. Je vous reprends du coup directement quand on va aller bah, à l'aire de jeu, je pense. Allez, à tout de suite. Ok, les gars, on est à l'aire de jeu, du coup. Là, on peut rien prendre, hein, il me semble. On peut rien prendre. Allez, on sort. Donc, l'aire de jeu. Ok, il y a une entrée là. Une entrée là-bas. Il y a des distributeurs automatiques ici. Donc, on se souvient, le mec s'appelle Brad. Là, si je fais le bouton ici, ça fait rien, vous avez besoin de pièces pour utiliser cette machine. Ok. Si je vais là-dedans, ça fait quoi? J'espère que c'est pas un long tunnel où il n'y a rien à la fin. Ah, bah il y a une grille, donc je pense que si, en fait, il n'y aura rien du tout. Alors, interagir. Ce portail n'a pas été utilisé depuis longtemps, vous devriez le graisser. Bon, tant pis. Fallait s'y attendre. Bon, on va aller du coup à gauche. Faut que je fasse gaffe quand même au mec parce qu'il doit pas être loin. Oh bah regardez, il est juste là. Oh là là, c'est abusé, frère. Allez, on va aller tout droit. Normalement, il est trop lent pour nous récupérer. Hein. Ok, donc là il y a une aire de jeu, on peut monter. Il y a une sorte de grosse grue, donc je pense que c'est ce truc-là qu'il faudra aller voir en premier. On peut monter dessus, ok. Et là, on peut ouvrir la porte. Enfin, j'espère. Ouais. Utiliser. Alors, on a un siège, des manettes et un bouton. Si on appuie dessus, ça fait rien. Ce bouton ne fait rien avec la position actuelle des leviers. Ok. Donc, du coup, il faut actionner un levier et appuyer sur le bouton. Non plus. Ok. Donc, ça, je le remets à sa place. Si je mets celui-là. Je suis désolé pour vos oreilles, les gars, mais c'est pas moi qui fais le jeu. Ok. Donc, du coup, ça a cassé un truc et on a l'accès. Est-ce qu'on peut aller voir autre chose? Là, on peut pas venir. Là, il n'y a rien non plus. Ok. Bon. Du coup, on va aller là-bas. Ok. Nouvelle zone débloquée. On a toujours des jeux. Normal, vu que c'est une aire de jeu. Le mec est pas là, donc tant mieux. On va pouvoir explorer. Je sais pas où il est. Ok, il est là. Il va pas tarder à venir, donc faut que je me dépêche à trouver ce qu'il faut trouver. Ici, on peut descendre, mais je crois qu'il n'y a rien parce que j'ai rien vu. Là, ah, l'uniforme de garde, c'est quoi ça? Clé du bureau. Ok, bah, du coup, il va falloir que je change de destination là. Je vais quand même faire un tour au chaos pour voir si j'ai quelque chose. Non, il n'y a rien. Oh putain, il m'a fait peur. Donc là, du coup, il faut que je reprenne le tunnel. Vas-y, monte, s'il te plaît, frérot, voilà. Comme ça, moi, je vais pouvoir prendre le tunnel tranquillement. Tac, allez, 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 dépêche-toi. Et on va directement aller bah, là où il y aura un bureau, donc je sais pas où. Je crois que parce qu'il n'y avait pas marqué bureau, il me semble, hein. Donc, on verra. On verra, on verra. Je suis bloqué là, non? Non, c'est bon. Donc je vous reprends du coup les gars, quand on va aller, alors où est-ce qu'on va? Aire de jeu, c'est fait, café, c'est fait, parking, quartier, on vient du quartier. Donc peut-être plus parking du coup, garage, je vois pas un bureau dans le garage, donc peut-être plus parking. Allez, à tout de suite les gars. Ok les gars, on est arrivé dans le parking. Ça fait flipper un peu. Oh putain, il est juste là gros. C'est quoi ce bruit là? Ok, donc là du coup je connais pas du tout les gars, je sais pas où il faut aller. Je peux pas passer par là, tu vas me dire? Si c'est bon. Ok. Ce store ne peut pas être ouvert ici. Ok.
que j'aille où? Wesh, il y a une porte là. Ok, nickel. Waouh, mais il y a plein de stores, gros. C'est quoi tout ça? Je sais pas où il est. Il y a des escaliers là. Oh! Il m'a pas vu, c'est bon. Ok, on peut se cacher là au cas où. Je vais fermer la porte là. On va monter tranquillement en haut. Frère, mais je me perds, c'est quoi ce bordel là? C'est quoi tout ça? C'est immense, gros! Je peux encore monter ou pas? Non, c'est le dernier étage. Ok. Bon, on va essayer de trouver du coup le bureau. Ok, c'est bloqué là. Je peux me cacher ici. Ah, ça ressemble à un truc comme ça, non? Utilisez. Vous avez ouvert le bureau du gardien. Ok, nickel. Impeccable. Donc là, je suis dedans, du coup. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il y a une mallette. Il y a un numéro de téléphone. Il y a ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mallette. Mallette à documents. C'est... Ah, donc là, du coup, il va falloir que je prenne Brad, c'est ça? Ok, je prends Brad. Oh là là, il est juste ici. J'espère qu'il va pas venir. Hein. Parce que là, il est juste à côté, normalement. Ok, on a Brad. Ensuite, bah en fait, je pense que... En vrai, ça va aider à la cafette, du coup, maintenant. Vu qu'on a la carte. Du coup, il faut retourner à la cafette. Ok, il est pas là. Je peux passer par là ou pas? Où tu vas, tu dois aller aider le garçon. Ah, ok. Donc, je peux pas aller par là. Ok, donc du coup, déjà, là, on a la carte d'identité du mec. Ce qui est déjà pas mal. Du coup, il faut retourner à la camionnette pour aller à la cafétéria. Du coup, il faut qu'on redescende. Mais pour redescendre, il faut reprendre les escaliers. Oh là là, il est juste là, gros. C'était sûr qu'il était là. La camionnette. Allez, les gars, on va à la cafette. Oh les gars, on est bon, hein. Retour à la cafette, du coup. Là, du coup, je peux passer le badge, normalement. À la salle de stockage, accès autorisé. Ok, alors là, je connais pas du tout, hein, les gars. Est-ce qu'il y a un truc? Oh, il y a un sous-sol. Donc là, c'est là où on était. Et là, c'est là où on était. Du coup, faut qu'on aille en bas. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Clé du garage de la cafétéria. Ok, bah je pense que la carte du machin, on n'en a plus besoin du coup. En fait, c'est le seul truc qu'on doit prendre là. Bon, je vais prendre ça. 235. Ok. Et il y a un truc ici. Ah bon? Ok, alors. Garage de la cafétéria. Il me semble que j'ai pas vu de garage hein, dans la cafétéria. Hein. Je sais pas vous, mais... Non, il n'y a pas de garage. Hein. Alors, je sais pas où il est, par contre. Ouais. Mon avis. Oh, sa mère! Putain, il me fait peur à chaque fois, frère. Non, à mon avis, on va aller... autre part. Garage, donc peut-être au niveau du garage. Je ferme la porte. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le garage. Ouais, on va aller au garage, hein, je pense. Ok. On est au garage. Hop, excusez-moi pour le bruit. Tac. Alors là, ça peut être dangereux parce que du coup, je sais pas du tout où il est. Et la map est très petite, j'ai l'impression. Oh bah oui. Je peux pas passer par là-bas, faut que je passe là-bas. Je connais pas la map, les gars. Faut que je fasse quoi, là? Faut que j'aille où? Faut que je fasse quoi? Faut que j'aille par où? Ah, je peux me cacher par là. Mais non, il faut pas que j'aille ici en fait. Il y a une vitre ici. Il y a rien à prendre ici, je pense. Je suis venu ici pour rien en vrai. Je suis venu ici pour rien. Là, il y a rien. En fait, si vous voulez, là on atterrit ici quand on meurt. Mais j'ai la clé du machin, mais je sais pas à quoi elle peut servir, en fait. Quartier, y'a rien. Cafette. Bon, on va retourner à la cafette, les gars. Non, peut-être au parking. On va retourner au parking, les gars. Non.
Pas au parking. Je sais pas où aller, les gars. Bon, cafette. Allez, on va à la cafette pour refaire un tour. Ok, de retour à la cafette, les gars. Il m'a vu. Hop, on va passer par là. On va vite descendre. Allez, descend, 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 descend. Là, il n'y a rien d'autre à prendre. Hein. Oh! Non? J'ai pas eu un truc, là? Si, c'est quoi, ça? Carte magnétique de bras... Ah, mais c'est ce que j'ai laissé. Non! Oh là là, il me saoule, là. Hop, allez, vite, on va vite passer par là. Voilà. Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de truc. 235, il y a le numéro. Faut qu'on regarde s'il n'y a pas un numéro. Mais sinon, il va falloir aller quelque part. Hein. Caisse. Vous n'avez pas le code pour l'ouvrir. Ah, faut un code. Pourquoi j'ai pas le code pour l'ouvrir? Je peux me cacher. Oh là là, sa mère, il est là. Ouais. Bon, tant pis les gars. On va faire 100. Bon, je pense que les gars, on va se laisser sur ça. Au moins, on a la clé 235. Faut que c'est ça qu'il faut qu'on se dise. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si je vois qu'il y a beaucoup d'engouement pour ce jeu, bah, je ferai une partie 2. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis merci à ceux qui seront restés jusqu'au bout. Merci à ceux qui me soutiennent depuis maintenant plusieurs années. Et je vous dis du coup à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo sur Mobile Legends. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.